Quand on était gamins, tous, hein, les parents, les menaces, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu iras à l'usine. C'est ce qui pouvait t'arriver de pire dans la vie, hein, d'aller à l'usine. J'ai commencé il y a de ça, il y a 24 ans, et ça me plaît. J'ai toujours aimé faire ce que je fais. Je suis contente de venir travailler tous les matins. C'est un plus dans la vie de tous les jours. Au début où j'étais là, ma mère me disait le dimanche soir, bon courage pour demain. J'ai dit, mais j'ai pas besoin de courage, j'y vais avec joie. Jusqu'à présent, j'avais connu que l'école. On passe beaucoup de temps sur une chaise à apprendre. Que là, c'est beaucoup plus manuel, on y met les mains dedans et on prend plaisir à travailler. Pour être bien dans un travail, le secret, c'est la polyvalence. Il y a tellement de clients que ça ne peut pas être répétitif. Les personnes ne sont pas là pour être dans la caricature en fait, de l'entreprise à la Charlie Chaplin. On n'est plus dans Modern Time, en fait, on est sur un poste routinier. Déjà parce que les produits ne sont jamais les mêmes. Les clients et les aventures font qu'en fait, l'ensemble des équipes est dans une continuité en fait, de sujets dans lesquels elle est toujours en mouvement. Je ne sais pas ce qui est propre à Brousseau ou ce qui ne l'est pas, mais en tout cas, j'espère que les gens qui sont chez nous sont heureux. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit à tout le monde. Si un jour, un matin, vous levez avec la boule au ventre pour venir travailler, surtout, il faut me le dire et on arrête les dégâts. Hein. Il n'est pas question de ça chez nous.